profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ce que nous faisons ici est inhumain. Je dois avouer que cela me bouffe tout cru. Je m'appelle Jacques Salu et j'ai passé les 5 dernières années à mener des expériences dans un centre de test de haute sécurité caché dans les Alpes. C'est aujourd'hui que j'admets mes torts au monde entier. Je ne sais pas quelles seront les conséquences, mais à ce stade, je ne peux plus supporter la culpabilité. Ce que nous faisons ici n'est pas de la science, c'est de la torture. Le point de rupture pour moi a eu lieu le mois dernier. Le directeur nous avait demandé d'obtenir des résultats à tout prix. Je n'ai pas de formation scientifique, mais j'ai été engagé en tant que linguiste. Ce qui s'est passé la semaine dernière m'a changé à jamais. On m'a dit qu'on effectuait de nouveaux tests et qu'on était sûr d'obtenir des résultats. On m'a demandé de préparer un moyen de communication avec les sujets. Bien que cela ait déjà été fait auparavant, ils attendaient plus que de simples signes de la main et des flashcards. Cela semblait être une entreprise insensée. J'ai regardé comment ils ont fait entrer les sujets, les ont assis et les ont attachés dans les sièges. Je pense qu'ils ont administré à la plupart d'entre eux d'étranges cocktails de produits pharmaceutiques. Certains d'entre eux ont été forcés de regarder des séquences étranges pendant des heures. Pour l'un d'entre eux, ils ont passé 2001, l'Odyssée de l'espace, en boucle. D'autres ont été frappés avec des palettes chaque fois qu'ils commençaient à s'endormir. Au moins la moitié d'entre eux ont reçu des implants neuronaux. Pour être honnête, je dois dire que je m'étais désensibilisé à beaucoup de ces choses. J'étais d'accord avec beaucoup de choses, et je pense que c'était le cas de la plupart d'entre nous. Je n'étais pas d'accord avec ce qui s'est passé ce jour-là. Je les ai vus prendre le sujet et l'attacher à une chaise. Ils ont placé l'appareil conducteur à différents endroits de son corps. Bras, mains, pieds, poitrine et tête. Lorsque les électrochocs ont été terminés, il était changé. J'ai essayé d'ignorer les hurlements, mais c'était plus difficile que d'habitude. C'était si primitif, ça glaçait le sang. Quand ils en ont eu fini avec lui, ils l'ont amené dans mon bureau. Il avait l'air si étrange, assis sur cette chaise. La première chose que j'ai demandé, c'est comment il allait. Je n'attendais pas grand-chose de lui, mais c'était mon travail. Il a regardé au loin d'un air absent. J'ai continué et la conversation s'est déroulée comme suit. « Alors, 64, vous sentez-vous différent ?» Cela a semblé capter son attention. Il a grogné ce à quoi je m'attendais. « Puis-je vous offrir quelque chose à manger ?» En disant cela, ses yeux se sont illuminés. Je l'ai regardé avec impatience. J'étais sûr qu'il avait compris. « Voulez-vous de la noix de coco ? J'ai des bananes et du yaourt. » Je lui ai parlé comme à un enfant. Je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé ensuite. Je n'arrive pas à croire que nous ayons réussi. « Tout, je prends tout. » Sa voix était gutturale et courte, mais toujours intelligible. Ma mâchoire s'est ouverte sous le choc. Je n'arrivais pas à croire qu'il avait vraiment parlé. Une phrase cohérente. Au mieux, je m'attendais à des réponses d'un seul mot. Je me frottais les yeux et le fixais avec incrédulité. « Tu es stupide ou quoi ? Va chercher ma nourriture. » Il était narquois avec moi. J'ai eu du mal à lui répondre. « Oui, d'accord. » Il a commencé à manger maladroitement la nourriture que je lui donnais. Il s'est renversé le yaourt dessus et a enfourné la banane entière dans sa bouche et l'a mâché sans ménagement. Je ne savais même pas quoi dire. J'ai essayé de me concentrer sur tout ce que j'avais préparé, si jamais ce jour arrivait, mais maintenant qu'il était là, je suis resté sans voix. Il a parlé avant que je puisse rassembler mes pensées. « Je me fiche de vos préoccupations. Votre espèce est si violente. Pourquoi avez-vous fait cela à mon peuple? Tout ça pour ça? Pour que je parle de votre façon? Cela vaut-il toute la douleur que vous nous avez causée? Pensez-vous que nous ne ressentons aucune douleur? Pensez-vous être meilleur que nous, vous autres les bourreaux? J'avais une belle vie dans la jungle avant d'être enlevé. Maintenant,
je suis ici, dans cette étrange caverne, coincé avec votre espèce. Qu'attendez-vous de nous ?» Il était de plus en plus en colère maintenant. « Ramenez-nous chez nous ou tuez-nous. Je ne dirai rien des atrocités que vous avez commises, ni de vos étranges façons de faire. » Les agents de sécurité se sont précipités dans la pièce, l'ont maîtrisé et l'ont traîné au loin. Il les a mordus et griffés et, pendant un moment, s'est échappé. Il a saisi une peinture encadrée au mur, l'a éclatée sur le sol, s'est emparé d'un bout de glace brisé et a commencé à donner de violents coups partout sur le visage de l'un des gardes. Un autre garde a aussitôt sorti un fusil tranquillisant et lui a tiré dessus. Son corps mou est tombé sur le sol. Il a ensuite attaché des bandoulières sur le sujet et l'a traîné sur le sol, en passant à côté du garde au visage maintenant défiguré, qui hurlait de douleur dans une mare de sang. Le reste de la journée, je suis resté abasourdi. L'équipe était ravie, mais elle n'était pas là. Ils n'ont pas vu l'âme et la vie dans ses yeux. Ils n'ont pas entendu la personnalité dans sa voix. Il n'était pas humain, non, mais il était aussi vivant que nous tous. C'est à ce moment-là que j'ai compris que nous faisions fausse route. Nous avions donné à un singe la capacité de parler, mais à quel prix ?